drive to her music. Yeah, 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 Nishukora nene mandi anye muso yende la via. Nishukora si moi je ne te vois pas, je suis pas tranquille. Parlez certains tornades, nous les nuyons. Quand tu n'es qu'ami, ne fais que la bafanga talk. Date les nuyons comme nous nuyons au bout. Rawat ne yani nga hamantene. Dengen andamo safo. Diti toro sentit binga hamantene. Tu vas faire la mashaAllah. Damu jejudu. Jekabar. Gen nuyu dipoko. Ami TV. T'as une nuyu fin. Nuyu juge Sénégal. Def déplacement. Dérangement. Nuyu bofi. Nakat ki organise de quoi. Jad nuyu tu bien festival. Bo hamantene. Mugu tudu. Mali Owet. Donc, nous malen wah artiste nga hamantene. Nuyu fin. Nek damai dagu. Sibir. Andek sama cameraman bunya ulbi. Maladi jil artiste. Ben bar ben. Bravo. Bonsoir tout le monde. Et ce soir, je suis très ravi de vous voir parmi nous, de venir soutenir un tel événement de Seja, c'est juste un plus. Et on a décidé d'amener un truc nouveau au Mali. Avant de commencer, merci de m'avoir permis de réaliser mon rêve, qui est un rêve de gosse. Depuis tout petit, je rêvais de faire de grandes choses. Et Dieu merci, aujourd'hui, des rêves, je peux dire que c'est parti pour de bon. Et ces rêves qui paraissaient fous, merci aux personnes qui ont cru en moi dès le début, à commencer par mes partenaires AfricaCell, qui est des Abou Dité, qui est ici présent dans la salle. Le début de cette aventure, c'était pas facile, mais on s'est dit, on commence et on fonce. Et là, aujourd'hui, on est là, le résultat y est. Même si la salle, elle n'est pas remplie comme on veut, mais l'essentiel est que les personnes qui sont là, c'est des personnes très importantes. Donc, je remercie toute ma famille qui m'ont soutenu dans ce projet. Je remercie Mariam Kébé qui a effectué le déplacement depuis Paris et Dawala qui est ici présent, la société Diarra Transport représentée par M. Ibrahim Diarra qui m'ont soutenu par des actions, des conseils et je suis très ravi et très content de voir parmi nous aujourd'hui des invités de marque, représentants de la famille Dembélé. Loi 12-12, qui a mis tous les moyens en œuvre, surtout moyens de communication, pour donner un très bel éclat à cet événement. Et je remercie encore une fois AfricaCell qui m'ont cru dès le début. Et quand je suis parti voir Abou, il m'a dit, Dogo, ce projet-là, j'irai avec toi. Et je crois qu'on va réussir. Et la réussite aujourd'hui, c'est toute l'équipe CMP Event et toute l'équipe AfricaCell. Donc je vous prie d'applaudir pour Abou Dité. Merci et bonne soirée, que la paix commence. Merci, merci. Madame, vous allez bien? Bien, je vais bien. Ça va, tu es toute belle. Merci. Qui t'a habillée? Ben, mon couturier. Tu vas m'amener là-bas pour qu'il puisse m'habiller. Oui, Inch'Allah. Tu es malienne ou sénégalaise? Oui, je suis malienne. Tu es venue pour les spectacles? Oui. Qui est ton artiste préféré? Spécialement pour solo, Souleymane Kanté. Souleymane Kanté. Oui, Souleymane Keïta plutôt. Souleymane Keïta. Oui. Kanté ou le Keïta? Comédien Kanté. C'est ton comédien? Oui. Au centre. C'est mon chef. Ok. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ça va bien? Merci bien. Tout beau là. N'est-ce pas? À chanter à l'heure. On dirait que vous êtes des jumeaux. Bon, ouais. Ça se voit. Tu es malien ou sénégalais? Effectivement, je suis malien et tout. Uh-huh. Oui, je suis malien. Mais le Sénégal, j'adore. Qu'est-ce que tu viens faire là, ici? Bon, je suis là pour le spectacle. Bon, on est là pour un show ce soir. Qui est ton artiste? T'es un artiste? Mon artiste préféré, il se nomme Kanté. Kanté? Oui, il est connu sous le nom Kanté. Ok. Voilà, sinon, c'est vraiment Souleymane Keïta. Souleymane Keïta? Oui, sinon, vous. Tu peux chanter un peu de chansons de Souleymane Keïta? Non, c'est pas un rappeur, c'est un humoriste comédien. Ok. Voilà. Donc, il est là, c'est la joie du peuple. Il est là pour tout le monde et tout. Qu'est-ce qu'il fait, un artiste comédien? C'est pour faire rire des personnes, non? Alors, fais-moi rire, j'ai envie de rire. N'est-ce pas? Vas-y. Donc, du coup, il faut rire. Non, je ne vais pas rire. Il faut rire. Non, il faut faire quelque chose pour que je puisse rire. Il faut rire, je suis là, je suis arrêté, non? Il faut rire. Non, fais quelque chose. En fait, fais-moi ce plaisir. Rire seulement, je vais voir si ton sourire est là pour tout le monde. Ok, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, Dieu merci. Ça va? Parle doucement. Toi aussi, tu es toute beau là. Merci beaucoup. Nous sommes des jumeaux.
Comment le nom? Lassana Kanté. Qui est ton artiste préféré? Suleiman Keïta dit Kanté. Suleiman Keïta? Oui. Moi aussi, je vais prendre Suleiman Keïta pour mon artiste préféré. Il est le meilleur. Vous allez bien? Oui, ça va. Donc, vous êtes ici aujourd'hui pour le programme? Si, je fais partie des sponsors. Avant de commencer à parler, je me présente d'abord. C'est Ibrahim Diarra. Ibrahim Diarra? Oui, oui. Tu fais partie des sponsors? Oui, oui. Là, je suis venu représenter la société Diarra Transport. Voilà. Ce sont des bus ou bien? Oui, ce sont des bus. C'est une société de transport. Bon, il y a tout, il y a des bus. On transporte des humains, leurs marchandises. Quoi. Donc, quel genre? Je ne sais pas comment te parler. Quels sont les conseils que tu donnes aux Maliens? Les Maliens qui ont organisé cette initiative aujourd'hui? Bon, je trouve que c'est une très belle initiative et c'est la première fois au Mali aussi. Bon, tout ce qu'on peut faire pour les accompagner, quand même, à ma personne, moi je suis prêt à aller jusqu'au bout. Quoi. On espère que chaque année vous allez faire ça, vous les Maliens. Oui, Inch'Allah. Et à partir d'aujourd'hui, moi aussi je fais partie des Maliens, car je vais rester ici, je ne vais pas retourner chez moi. Franchement, ici, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Voilà, on est actuellement avec Pape, l'initiateur de cet événement. On va droit au but, on va le poser notre question, comme ça il va répondre. Vous allez bien, monsieur? Oui, ça va, très bien. Vous allez bien? Mais bon, ça va. Tu es malien ou sénégalais? Je suis malien. Mais tu ressembles à un Guinéen? Non, je suis malien 100%. Pourquoi tu ressembles à un Guinéen? Bah, c'est naturel, c'est le métissage. Les Maliens pour venir c'est sur le les. Métissage. Ah bon? C'est le métissage. Comment vous trouvez le programme que tu as organisé aujourd'hui? Alors, cette idée, déjà, je peux dire que c'est un rêve des gosses, mm-hmm. C'est un rêve d'enfance. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de faire la communication, mais de façon grandiose. Donc, quand j'ai pensé à cette initiative, je me suis dit, Pape, fonce. Et la réussite, ça dépend d'Allah. Donc, Dieu merci, on est là aujourd'hui. Et pour moi, j'ai fait un grand pas déjà, parce que l'idée, c'était pas facile au début. Mais Dieu merci, on tient le coup. Cette programme, ce n'est pas toi seul qui l'a organisé. Bien vrai que tu es le plus grand des organisateurs. Donc, il y a combien de personnes? Alors, sur ce projet, quand j'ai eu l'idée, j'ai rapproché un partenaire logistique, mm-hmm. qui est AfricaSen, mm-hmm. qui est un partenaire avec CMP Event, dont moi, je suis le patron. Mm-hmm. Donc, du coup, j'ai qu'un partenaire en logistique. Et après, les autres réseaux, c'est nos accompagnants. En médias. Il y a des sponsors. Il y a combien de sponsors, le maximum? Et pour vous dire, en réalité, sur cet événement, on n'a pas eu de sponsors. Les grands sponsors, très généralement, ce que j'ai compris au Mali, surtout à Bamako, quand il y a un événement, la première édition, les sponsors, ils ne se lancent pas trop. Ils ne viennent pas vite. Okay. Et tu comptes faire ça chaque année? C'est une première et Inch'Allah, ça ne va pas être la dernière. Et j'espère que je vais pouvoir introduire cet événement dans l'agenda culturel du Mali. Et après Bamako, c'est pas que Bamako. Donc après Bamako, on vise d'autres pays, dont le Sénégal fait partie, dont la Guinée fait partie. Et après même Bamako, à Paris, il y aura un autre événement du César, mais qui n'a pas les mêmes noms. Donc, tu as quel conseil à donner les artistes qui voudront participer de cet événement ou bien des événements qui vont venir après? Alors, tout ce que j'ai à dire aux artistes, déjà, c'est une première édition. On a eu pas mal de retours positifs, mais aussi des retours négatifs, parce qu'il y a des frustrés. Il y en a qui sont frustrés, qui n'ont pas été nominés et qui ne comprennent pas trop. C'est juste une première édition. On ne peut pas nominer tout le monde. Il faudra que les artistes y comprennent ça et qu'ils essayent de nous encourager par l'initiative qu'on a prise. Donc, moi, je pense que c'est juste une première édition. La deuxième édition, ça va pousser les autres à travailler et les autres catégories qui ne s'y retrouvent pas dedans, qui ne s'inquiètent pas, c'est qu'une première édition. Peut-être la deuxième édition, il y aura d'autres modifications et on va rapporter plus de trucs dedans. Actuellement, il y a des artistes, comédiens, des musiciens, des danseurs ou bien il n'y a que des musiciens ici? Non, il n'y a pas que des musiciens parce qu'on enlève catégorie quand même. Il y a le sport, il y a des hommes de médias comme vous. Et aussi il y a des artistes, il y a des comédiens, il y a des humoristes. Donc il y a des danseurs également. Et surtout au niveau du cinéma aussi, on a pensé. Mais c'est juste une première.
Peut-être pour la deuxième édition, on va ramener d'autres modifications et on va rajouter d'autres catégories. Donc on peut dire qu'aujourd'hui ici, ça va chauffer. Bah, ce soir, on espère et on attend encore les gens. Et que voilà, dès qu'on va commencer, en tout cas, on ne va pas s'arrêter. En tout cas, merci beaucoup et ravi de faire ta connaissance. Je vous remercie. Et je profite par la présence de mon ami qui m'a soutenu depuis Paris, Dawala, qui est derrière vous. Donc, je lui souhaite la bienvenue. Donc, il faut dire Ami TV, Tchakao, Tchakanam. Ami TV, Tchakao, Tchakanam. Monsieur Pape Moussa Cissé, remercier tous les partenaires qui ont cru en ce projet, et en particulier AfricaCEN qui n'est plus à présenter, mais également de nombreux partenaires que nous découvrirons au fur et à mesure au cours de cette soirée. On entend parler des Oscars à Las Vegas, ah oui, des victoires, des MTV Awards, etc., etc. Désormais, il faudra inscrire les Mali Awards sur la liste des cérémonies de récompense à travers le monde. Aujourd'hui, donc, marque une date importante, oui, une date historique, on va dire ça, car des événements comme celui-ci, il en existe très peu. Et nous souhaitons très bon vent aux initiateurs et surtout déjà félicitations à tous ceux qui vont monter sur cette estrade, qu'ils soient gagnants ou pas, pour recevoir et trophées et diplômes de reconnaissance. Nous allons inviter donc, puisqu'il s'agit d'une compétition dont c'est l'apothéose ce soir, celui qui a eu la lourde responsabilité d'en diriger le jury. Plusieurs personnalités du monde des arts, de la communication se sont retrouvées pour disséquer les différents dossiers. C'est vrai qu'il y a eu les votes sur Internet, mais il y a eu également un comité d'experts dirigé par celui qui n'est plus à présenter, M. Kardigel Aïko Koulibaly, que je vous prie d'applaudir et de recevoir, s'il vous plaît. Le président du jury. Pour nous faire découvrir qui est, selon vous et notre jury, la meilleure footballeuse pour ce Mali Awards 2019. Je vais encore vous demander un petit service. Est-ce que vous pouvez applaudir pour l'équipe nationale féminine du Mali de football, parce que elles ont écrit l'histoire de notre football féminin. Donc sincèrement, on vous remercie du fond du cœur et on vous souhaite le meilleur. La gagnante de ce soir, Aissata Traoré. Aissata Traoré. Merci d'applaudir pour elle. Meilleur espoir football féminin. Et son représentant. Ah, elle-même est là. Ah, merci de l'applaudir, s'il vous plaît. De l'applaudir. Yo! Avec vous, nous allons prier, c'est sûr. Aïssata, on va te demander quelques mots pour notre public. Aïssata, quelques mots. On va faire comme pour les Oscars. Merci de l'applaudir encore très 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 fort, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Aïssata Traoré. Je suis internationale malienne. Actuellement, je volais avec le club Beşiktaş. Je vous incite à suivre le football féminin. Et je souhaite bonne chance à l'équipe nationale masculine du Mali pour la CAN 2019. Allez. Bravo, bravo Aïssata et bon. Bravo Aïssata. Merci beaucoup, coach. Les femmes vont faire. On applaudit pour Aïssata. Est-ce qu'on peut avoir une photo, Siri? On va prendre une photo avec les deux. Allez, avec M. Keïta. Merci, Monsieur Keïta. Bonne continuation. Nous allons continuer dans la catégorie sport et nous allons découvrir deux nouvelles sous-catégories puisque nous allons distinguer le lauréat meilleur basketteur homme, oui, et meilleur basketteur dame. Oui, meilleur toujours dans les catégories espoir bien c'est entendu. Ça. Nous allons découvrir donc qui sont les nominés. Siriman Kanouté, Abdul Karim Koulibaly, Assetou Sissoko, Aminata Traoré sont donc les nominés
Pour remettre ce trophée, Cyril, je voudrais inviter monsieur Amadi Diané. Je crois monsieur qu'il est là avec nous Amadi ce soir. Diané. À bien vouloir nous rejoindre. Monsieur Diané. Pour que nous découvrions ensemble qui sont les lauréats. Vos ovations, s'il vous plaît, pour monsieur Diané. Nena nastro ufaga doni ta ekiria da.
kota sisela we kota ne kota tukuno dengera muso ya tonga pa koda rapuko na munu encheta kofe ukana sheta ala rose pado disara la tonde unga encheta uma kagere akagere fitine tude makma tude tuma selema rapu ya fre ka la fre maka no meso famila nyo so kenema yesu na ene asake ye kijanya e panu ene almamie ye fast club toke safai Mademoiselle, ou bien c'est madame? Madame. Vous allez bien? C'est très bien, merci. Vous et madame comment? Si c'est Aminata. Tu es un artiste comédien ou bien tu es un artiste? Non, je suis venue accompagner mon ami qui est partenaire de l'événement. Qu'est-ce qu'il fait ton ami? Elle est architecte designer d'intérieur, DS Architecture. Donc, que penses-tu de cette initiative que les Maliens ont organisée? Pardon? Que penses-tu de cette initiative que les Maliens ont organisée? Je trouve que c'est une belle initiative vu que ça met en exergue et en valeur leur créativité, leur travail et surtout la récompense. Donc je trouve que c'est une belle initiative. Donc tu as quel conseil à donner les artistes comédiens, les artistes musiciens, les danseuses qui vont presser aujourd'hui? C'est de les encourager. C'est une première à Bamako, à ma connaissance, et j'espère que ça ne va pas être la dernière fois. C'est vraiment les encourager afin que la culture malienne traverse les barrières et que ça se fasse connaître même en dehors du pays. Toi, tu es malienne? Oui, je suis malienne. Tu es très belle, Macha. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Merci. Meilleur artiste contemporain masculin. Nos nominés sont Mouyé Mouyate, Sidiki Diabaté.